Hello, coucou tout le monde, c'est Yota, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième ronde du tournoi Dofus, les Dofus World Series. Aujourd'hui, nous tombons contre un SRAM, un Osamoda et un Roublard. Ouais, un Roublard. Est-ce que tu nous expliquerais un petit peu le fonctionnement? Bonjour. Oui, c'est vrai, bonjour. Bonjour. Qui suis-je? Strange. Je suis Strange. 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 Fonctionnement de quelle classe? Eh ben du coup la seule que le il ne leur a pas été présenté le, à eux. Le Roublard? Mais non, on joue Roublard, non. Ah, mais c'est quoi? L'Osamoda. Alors l'Osamoda. Osamoda, alors c'est une classe qui invoque des bestioles. Voilà, donc ça peut être des dragons, des chèvres, des tofu ou des ouais, des chèvres en gros, ouais. Et donc le jeu se base sur des invocations, sur le boost d'alliés et des invocations, une classe bien chiante comme on en fait dans Dofus. Tu vois mon téléphone s'il te plaît, il faut que je mette l'ordinateur à charger. Oui, très très chiante. Et puis voilà, en fait ce qui est chiant c'est que ça va spammer, ça va boucher la map avec toutes ces invoques, ça va nous bloquer toutes les lignes de vue, tout. Alors moi du coup pour la part, le crack que je vais jouer va être en mode Rox pour éliminer le plus rapidement les invocations ou bien les bombes du Roublard, ouais. Et faire de la place pour qu'on puisse poser notre jeu. Ouais, alors c'est une map, c'est du semi, c'est de la mi-distance en fait, c'est pas trop loin, c'est pas trop près, mais a priori chez eux ça risque de plus rusher que chez nous. Roublard, pas rusher. Osa, SRAM. Le SRAM à la limite il va essayer. Non mais non, ça va pas rusher du tout. Parce que le Roublard il va vouloir mettre ses bombes. L'Osa il va vouloir booster ses invocations pour qu'elle puisse nous atteindre et nous enlever des dégâts. Et le SRAM du coup je pense qu'il va jouer toujours agilité de loin pour pouvoir quand même se prendre quelques dommages. Ouais, c'est pas par fou. Les poisons tout ça. Donc du coup je pense que ça va être un combat très très chiant à regarder. Je pense que ça va être très long. Et très long, parce que déjà rien qu'au ça va être long. Ouais. Ça va être sûrement un Osamoda qui va jouer beaucoup de vie et beaucoup de résistance. Sûrement. Sûrement 50% de résistance à peu près de partout. Environ 4500 de vie. C'est rare. Il va peut-être faire soin aussi. Et il va jouer soin. Mais il faudra, je pense, s'il est comme ça, s'il joue soin avec grosse résistance, tout ça, il faudra sûrement faire un focus sur lui. Ouais. Parce que comme ça, ça évite qu'il puisse soigner. Vu qu'on va rester de loin, on va pouvoir pas pouvoir faire d'érosion. Oui. Et voilà. Quoique, ouais, ouais. C'est tout. Ok. Bon, écoutez, les amis, on va faire comme d'habitude. On va couper la vidéo ici pour l'instant et on se reprend dès que le match est lancé. À tout à l'heure. Ah, j'ai une demande en bon, écoutez, les amis. Il y a eu un forfait de leur part. On a quand même décidé de faire un petit match pour le fun. Que je vous enregistre parce que quand même. Allez, bonne chance. Du coup, ça sera. Voilà, c'est pour s'amuser. Ils ont déclaré forfait, il manque un joueur. Et du coup, bah voilà. Pour passer le temps un peu. Ça peut pas voir à quoi on aurait pu. Ah tu vois, regarde. Regarde les résistances. 5000 de vie, 43, 46, 35, 39. Et pour le SRAM, ah il est pas agi. SRAM terre, sûrement. Et du coup, on a aucune résidence, gros. Allez, 23, défonce-moi ça. 36. Bon, toi, tu es mort, collègue. Toi, mon collègue, toi tu t'es approché un peu près. Ça, c'est pas le jeu de l'enfant. Je vais lui envoyer un Wasta ou... Ah, ça. Pardon. C'est... Allez, vas-y, fais péter. Tu tapes sur qui? L'Osa. Quoique, il a pas de... Du coup, le... Si, l'Osa, oui. Osa direct? Ouais. Allez. Allez, on va baisser le son. Hop. Nous, on va partir chacun de son côté. Tu te débrouilles. Ah, attends, le SRAM va venir sur toi. Attends, le SRAM va venir sur toi. C'est pas grave, je vais... Je... Vulnez-le, ça va être drôle. Allez, vas-y. Putain, j'aurais dû mettre mon staff haut, du coup. Ah oui, c'est vrai que t'es en mode maléfiste. Ah, je suis en maléfeste. 50%. J'aime bien Thérésie, franchement pas mal. C'est vrai que comparé aux miennes. Alors là, on va voir les du panda. Comparé aux miennes, ils sont ignobles.
Les miennes, elles sont belles, quand même. Voici 50% en eau. Le SRAM. Bon, ici. Bon, vas-y, je bouge. Et au niveau de Je lui envoie un Wasta. Voilà. Tu flasques. Je vais me prendre des pièges. C'est... Ah, il est feu. Oh, il est terre. Oh. Mais tu vas où? Je vais lui mettre une flasque. Mais t'étais pas obligé de descendre. J'aime bien tout me prendre. Et oublie pas de picoler à la fin de ton tour, rapidement. Ouais, mais là, je peux. Bouge. J'ai bougé. Non, t'as bougé après ton tour. Non, mais ça lag. Non, t'as bougé après ton tour. T'as mis trop de temps. L'Ossa qui est en nébuleux. Mais je pense qu'ils sont venus en mode. Ah non. Ils sont venus à la mode. Non. Sera nébuleux. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont mis aussi cher. Bon, le bouffe. Tout il va être de panda. Et voilà, toujours le même en plein milieu, le panda. Oh, ça va, hein. Affolant. Bon, 1500 de vie, là, ça va être compliqué de descendre. Je vais mourir. Juste qu'on décale. Ou non, ça va faire une... Non, tu le porteras, tu le jettes. Ouais. Bon, moi du coup, le SRAM, est-ce qu'il y a possibilité de le trouver? Non, mais il s'en bat les couilles là du SRAM. On s'en fout. Non, mais c'était pour voir. Vas-y, tape. Tac. Une petite abso pour les gènes. Et pourquoi pas un CC. Nickel. Oui. Retrait, moins 2 PM. À son tour, il se prendra le poison. Ah, ça c'est bien joué. Ça c'est pas drôle. Ça c'est pas drôle du tout. Écoute, je vais taper lui, hein. Et tu le portes, tu le jettes déjà. Ouais. Le spam SRAM. Le SRAM prochain tour, je le trouve. Voilà, c'est dit. Même toi, tu peux le trouver. Je peux le jeter, le flasque pour savoir. Le jette où? Par là, là. Faudrait que tu. Allez au fond. Jettes... Là, allez. Ouais, bah, c'est parfait. Décale à gauche. Attends, c'est où à gauche? Ah, bah c'est bon, c'est parfait. Tu as trouvé le SRAM. Je me décale où? Le SRAM, tu peux taper là, de toute façon. J'ai bougé, il faut que je bouge. Picole. Bouge et picole. Donc, le SRAM va être trouvé. C'est ouais, j'ai pris aucun piège. Alléluia. Oh, il a pris 400. Eh oui. Et attends. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Enseignant l'hérésie. Eh oui. Et puis même comme j'ai cessé, ça picote. Donc du coup, le SRAM, tu peux le trouver là. Il s'est rendu visible. Il a fait canine où? Il a fait canine où? Tu peux plus voir où il a lancé le sort. Pourquoi il me montre le bouffetou noir? Parce qu'il a fait deux fois canine. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Canine, faut que lui il me tape et qu'il parte. Nickel. De toute façon, je vais le. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien le petit Wasta. Il pourra faire invoquer le bouffetou. Du coup, on est d'accord. Normalement, ah. Ici. Non. T'as tapé où toi? Derrière? J'ai tapé là. Là. Là? C'est bon là? Là, tu l'as là. Bien petit. Bien Mino. Allez, mais faut taper là. Genre comme ça? Ouais, vas-y. Ah, ça passait à 600 hein, normalement. Ça passait à 600. Alors là, c'est oui rush, oui rush. Il est en 11-10. Ouais. Il va me sauter dessus le machin. Voici le SRAM pour le moment. Pour le moment, au niveau de la vie, c'est très équilibré. Ouais, mais là ça va vite descendre. Ah, en plus il a un tour de. Oh. Attends, mais il a. T'es picole? Oui, t'es picole. Oui, je suis picole. Sournois. Mortel. Là, il va t'attirer. Il y a ses pièges là. Ouais, il va t'attirer. Et puis, il va te mettre à droite. Le 1005 qui fait Momo. Bon. Quentin. Je fais quoi? Elle a vulné. Double vulné. Ouais, ça peut être pas mal. Double vulné. Pour tenter de le tuer au prochain tour.
Tenter, je dis bien tenter. Et il faudrait... ça pique. Ça te casse un peu. Ouais, hein. Mets-toi derrière. Non, t'as une ligne de vue là. Où ça? Allô, ça? Bah oui. Oh, c'est bon, bah allez. Tu peux te mettre ici là. Ouais, mais j'aurais été en ligne de vue du SRAM pareil. Mais le SRAM il meurt. Tu le tues là? Le SRAM. Ah non. Le SRAM il meurt pas. Le SRAM qui ne meurt pas. Par contre, moi oui. Oh là là, si tu meurs. Toi, il y a des... Non, le tofu, il me tue pas. Mais le tofu, déjà... Les tofu ne me tue pas. Ah, il te touche, les tofu. T'as un petit col. Qu'est-ce qu'il se fait? Mais ça me va s'il te tape, toi. Et là, double, double. Ah, mais toi, au prochain... Je vais te soigner, si je peux, si j'ai le temps. Ou alors, je vais taper. Ce que je peux faire, c'est que... à la fin de mon tour, je... Oh, putain, les bouffetous sont libres. Défonce-le. À la fin de mon tour, ce que je peux faire, c'est te recule le SRAM. Ouais. Oh non, full CC, j'aurais tué. Allez, vas-y, recule-moi ça, s'il te plaît, déjà. Et je me mets devant toi. Le tofu bloque la ligne de vue, en plus. Pour éviter... Qu'est-ce que je fais, moi? Sans déconner, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Attends, je regarde s'il peut te tuer ou pas. Normalement, il... Avec l'aide des tofu, peut-être. Mais là, de toute façon, moi, je vais y aller en mode suicide. Hein. Ah, ben là, oui. Par contre, après, moi, je vais galère pour gérer. Parce que ça, c'est très compliqué. Ah, je vais pas pouvoir... Je peux pas me décaler. Tu seras obligé de te décaler. Coco, tout dépend. T'as pas le choix, tu veux faire comment? Oh non. Oh putain, il s'est tellement bien placé. Tu peux le finir? Il faut que je te porte. Et que je te jette quelque part. Parce qu'il m'a mis un piège là. T'étais pas là. Pour te porter jeter. Oh, mais tu vas pas pouvoir le finir comme ça. Mais de toute façon, je pourrais pas le finir. Ah. Mets-moi proche de lui. Je te jette sur lui. Ah, je sais. Ah bon, je peux pas. Non, ben c'est pas grave. Colle-toi et... Là, ils te finissent. Les tofu, ils te finissent. Ouais, ouais. Mais en plus, je me suis... Quoi que les tofu sont tellement pas intelligents que des fois, ils font par rapport aux résis. Donc, ils sont capables de pas te finir. Ça bug? Bon, déjà, le SRAM, il meurt. Le panda il meurt. Tu joues avant lui et le SRAM. Oui, c'est pour ça. Mais là, il faudrait que je fasse un... J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Le dragon, là. Le truc, je sais ce qu'il va faire. Ah, il s'est mis en symbiose. Et alors? Bah, il va m'attaquer. Oui. Non, mais le truc, c'est qu'il va réanimer le SRAM. Et vu forcément qu'il a déjà des résistances assez... C'est bonne, le moins 30% va rien lui faire. À moins qu'il bouge le SRAM. Il va le TP, tu penses? Il va vouloir bouger le SRAM. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a pas attaqué le tofu. Oui. Si 52. Tu tues le SRAM, si tu tues le SRAM, je peux tenir. Je tue le SRAM. Tu le SRAM, je rush. Je vais le vulner, non? Je me stab, je le vulné. Attends, il y a moyen que je fasse un beau tour là. Attends. Je suis en ébuo là. Oh oui. Propre. Propre. Alors, je me débuff. Toi, faut que tu te débuffes. Il n'y a pas moyen que... Je vais me mettre devant toi. Soigne. Il est où mon stab? Pour le vulner. Mais non, non, attaque. Je veux attaque. Le vulner. Non, attaque, tu vas mourir. Je vais mourir de toute façon. Mais attaque alors. Mais non. J'ai pas assez de PO en plus. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça va. Ça permet que tu peux se taper en ébuba.
Il va te tuer. La vulnée, elle s'enlève. Non, c'est pas faux. Bon, de toute façon, on a gagné là. C'est pas fini, les ossins, ils peuvent remonter à chaque situation. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit? Bah là, de toute façon, tu vas arriver sur lui, tu vas le rusher à mort, là, tu vas taper comme un gros. Tu gros, je suis pas encore mort. Hein. Ouais, mais lui non plus. C'est pas mort. Ça y est, je suis mort. Bon, et là, comment je peux faire? Ça sert à rien, ça. Ouais. Faudrait que je me donne de vue, mais j'ai pas de vue. Tu vas pas rusher sur lui, gros. Ah non, pour ça, je pense que... Je te casse, et voilà. Bien sûr, le tout. Le boost après, le forcément. Jouer à l'envers, hein, on connaît bien. Mais forcément, bien sûr qu'on connaît. Normalement, si je dis pas de conneries, tu devrais pouvoir le faire. Je devrais pouvoir le tuer prochain. Il est en ébuba lui aussi. Oui, non, mais là il me tue pas. Là il va me. Il va te faire mal quand même. Là il peut rien me faire. À part invoquer un double. Il a combien? 39. Eh oui, repérage. Il manque un PO. Ah, il a chié son repérage? Ouais. Là le ben, c'est fini je crois. Donc tu vas arriver à le toucher là? Ben là lui il va aller juste Alors chiant, ça. C'est dégueulasse Anosa. Oh, il a repris 1100 quoi. Comment je vais faire? Réchefli Léo, réchefli. Tu vas tuer des invos ou pas? Attends. Oh là là, ils m'ont fait une ligne d'invocation. Je crois que t'auras pas le choix de les buter là. Tu l'aurais tellement tué. Ouais, mais je pouvais pas. Oui, non, mais tu l'aurais tellement tué. Je sais pas s'il peut se donner de la vie à tous les tours, mais si c'est ça, j'ai perdu. S'il se donne de la vie tous les tours, j'ai perdu. Parce que 1100 de vie, je sais pas si je pourrais. Lui, normalement, il me rush. S'il est déjà, il me rush. Ah, mais là, il va te défoncer. S'il peut, en plus, il va te pousser par là. S'il me peut, il me rush. Et comme il a un ébu haut, il me démonte. Mais il m'a l'air de pas jouer son tour. Il joue son tour. Et c'est fini. Quoi, c'est fini? Il a pas passé son... Il a passé son... Alors, du coup, on en est où? Ça toujours. Tu veux le tuer le, tu vie. Veux le retuer le ce sera. Non. Oh là là, c'est méchant. Le doppel. Attends, mais feu sacrificiel, c'est quoi comme sort? C'est quoi? C'est un sort de classe? Enfin, c'est un sort de classe? Non, c'est. Non. J'en sais rien, je demande. Non, je connais pas trop les Ossa. Le sort de classe, c'est. Ah oui, c'est la semi machin, là, mes couilles. Tes couilles. Tes couilles. Allez petit. Allez jeune. 478 de vie pour l'Ossa. T'es en ébuo après. Il va te défoncer s'il peut. Et le truc c'est qu'il peut donner de la vie tous les tours. Ouais. Il peut se donner de la vie. Ouais, mais... Là il faut que je tire éloigné. Ça fait 3. Il reste à 2 avec 2. Qu'est-ce que je peux faire à 2 PA? Limo ou un truc comme ça, si tu ouais, peux toucher quelqu'un. Ou tu peux tuer une invoque. Cinglante pour reculer le SRAM. Et si non, tu le vois. Le SRAM il me bloque. Ta picote. Nébuba. 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 C'est simple, c'est... Où je le... Non. Il va récupérer 1560 sans déconner. 1014. Oh là. J'allais dire c'est simple, c'est où je le tue maintenant ou j'ai perdu. T'as perdu. J'ai perdu. Parce que là il va être en ébuo. Allez, je pense qu'on peut lâcher le bien joué. Je pense qu'on aurait gagné à 3.
Je sais pas, il y a le roube aussi, hein. Et nous aussi, on a un roube. Mais autant ils savent le jouer. Et nous aussi, on s'est entraîné. Non, mais le SRAM, il aurait pas pu, il aurait pu faire pas grand chose. D'autres auraient pu soigner. Là, on a rush. Ah non, mais c'est fini. Ah oui, on a joué comme des grosses merdes. Là, on a rush. Mais. Ouais. Mais tu penses pas que la technique ça aurait été de redéfoncer le SRAM, même si c'est abusé quoi. Regarde, si je me rappelle bien, il y a des pièges là, par là. Ce n'est pas très grave. 608. Bon. Bon ben voilà, ce fut un très beau combat encore perdu. Mais on est qualifié. Qualifié de quoi ? De toute façon, on aurait été qualifié quand même. Voilà, voilà. Bon. Astéroïde. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo qui a été un petit peu spéciale, je vous l'accorde. Mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo parce que c'est chiant quoi de... Ça fait déjà deux forfaits qu'on se tape. Enfin voilà, c'était préférable de vous mettre quelque chose. N'hésitez pas à clap si ça vous a plu, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.